Valérie Weser, bonjour. Alors ici, on est dans un lieu particulier dont les Noyellois connaissent bien la provenance, puisque c'était un ancien salon de coiffure, je crois. Oui, c'est ça, tout à fait. Et donc toi, tu as repris ce lieu pour en faire un studio photo. Oui. Et tu participes à une opération aujourd'hui qui s'appelle Osons la pose. Ose la pose. Oui. Et qui démarre là dans les jours prochains. Peux-tu nous parler de cette opération? Alors, Ose la pose est une levée de fonds. Pour Ose défiler. Ose défiler est un défilé qui aura lieu donc dans le Pas-de-Calais, qui a déjà lieu dans d'autres départements, et qui fait défiler donc des personnes qui ont atteint du cancer du sein ou en rémission. Alors pourquoi tu t'es investi de cette mission? Ça te tenait à cœur? Est-ce que toi-même tu as eu un cancer du sein, ou est-ce que tu as des amis proches de toi qui ont eu un cancer du sein et c'est ça qui t'a rapproché? Alors j'ai déjà exposé au niveau du cancer du sein à Noyelles-sous-Lens il y a 3 ans, une jolie expo où effectivement j'ai pu découvrir tout un tas de personnes qui avaient le cancer, également des hommes, on parle de femmes également d'hommes. Et cette expo m'a énormément touchée et je me suis dit, il ne faut pas que ça s'arrête, il faut que je continue à ma manière, bien sûr. Parce que pour moi, le cancer, ce n'est pas forcément un t-shirt rose et des ballons et du plala. Ben non, ce n'est pas toujours ça. Et puis, ce n'est pas forcément au mois d'octobre, puisque là, on est en février. Voilà. Et je trouvais que la date de février était quand même une belle date, puisqu'en octobre, on ne parle que ça, que du cancer. Il faut aussi penser que ces personnes atteintes du cancer ne voient que ça au mois d'octobre. On va à la boulangerie, on parle du cancer du sein, on va à gauche, à droite. Mais c'est le mois d'octobre doit être une horreur pour certaines personnes. Et en février, je trouve que ça passe mieux, en fait. C'est plus simple. Alors, est-ce qu'on peut rappeler un peu les chiffres du cancer du sein? Est-ce qu'on a... Alors, c'est 1 femme sur 8, il faut savoir, quand même. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans cette pièce 3 femmes. Donc, voilà. 1 femme sur 8, c'est beaucoup. Donc ça pourrait être l'une d'entre nous. Aujourd'hui ou demain, voilà. Il faut rappeler aussi que le dépistage est important. Oui, le dépistage est important, tous les 2 ans, voire tous les ans, si on a quelqu'un qui est déjà atteint dans sa famille. Alors comment s'organise cette opération Ose la pose? Alors, il suffit d'aller sur le site Ose défiler. C'est une levée de fonds, s'inscrire, prendre un billet et venir chez moi ensuite. Donc il y a des créneaux horaires dessus, voilà, c'est tout simple. osedefiler.fr. Billetterie. Donc là, c'est un portrait à 10 euros. Voilà, il y a quand même une levée de fonds, donc forcément une somme. Le portrait est à 10 euros, tout simplement. Donc on prend rendez-vous sur le site internet, ouais. On vient ici, on prend la photo, on paye 10 euros et ces 10 euros, ils vont où? À Ose défiler. Ça permet d'organiser justement ces fameux défilés. Donc ces fameux défilés, ce sera. Est-ce que ce sont des femmes qui sont atteintes du cancer du sein? Logiquement, oui, mais j'espère aussi que d'autres femmes participeront, parce qu'aujourd'hui, on ne l'a pas, mais pourquoi pas demain? Oui, donc les photos, c'est pareil. Oui. C'est réservé sur le site, apparemment, aux femmes qui ont un cancer du sein, ou qui ont eu un cancer du sein. Mais toi, tu veux développer ce mouvement pour d'autres personnes? Pour d'autres personnes, oui. Et aussi, je précise encore une fois, pour les hommes, parce qu'aujourd'hui, les hommes aussi sont atteints. Alors, ça s'élargit aussi aux personnalités, je crois. Oui, depuis peu, il y a eu un appel de fait aux personnalités. Donc, est-ce qu'on pourrait appeler les personnalités de notre région? Oui. Par exemple, les élus oui, bien sûr. Ou les artistes, ah oui, à venir également ici, oui, pour faire une photo? Tout à fait, oui. Moi, je suis prête à accueillir. Donc, la date est fixée ici au 16 février. Maintenant, il est bien évident que tout le monde n'est pas forcément disponible le 16 février. Moi, je m'engage à recevoir ces personnes, ou la veille, ou le surlendemain, voilà. Donc, est-ce qu'on peut rappeler un peu les modalités d'inscription? Alors, pour s'inscrire pour Ose la pose, il faut aller sur le site de Ose défiler, cliquer sur la billetterie, choisir effectivement le photographe, la région, parce que le but, c'est quand même de développer Ose la pose dans les 101 régions. Et voilà, de valider le paiement des 10 euros. La personne reçoit un ticket, son contrat, puisqu'il y a aussi un contrat de droit à l'image. De droit à l'image. Et voilà, et venir chez moi. Le défilé aura lieu où? Ici, à Paris? Est-ce que les femmes qui ont pris les photos vont faire le défilé ou pourront faire le défilé? Elles pourront faire le défilé. Sur le site, on peut être candidate au défilé. Donc il n'y a pas encore de date, en fait, dans la région. Donc ça va être en cours. D'accord. Donc, toi, tu espères bien qu'il y ait une date ici et qu'on puisse faire un défilé ici. J'aimerais bien ici, oui, dans la région. Ce serait très bien. Alors, un petit message pour toutes ces femmes, pour toutes les femmes en général, ce serait quoi?
Pour moi, de garder espoir. Le cancer aujourd'hui du sein, on en parle, et pour moi, avoir fait des photos soit donc à la polyclinique des Bonnettes, soit en tant que photographe indépendante, on en meurt, ok, mais plus autant qu'avant. Il ne faut pas avoir peur. Je pense qu'il ne faut pas en avoir peur. Ce cancer, on vit avec. Et puis voilà. Et surtout, il faut se faire dépister. Il faut se faire, oui, et le dépistage, oui. Dépistage très important. Quelque chose à ajouter ? Non, à part venez. Venez, inscrivez-vous. Et donc, c'est un joli portrait. Hein. On parle de portrait. D'accord. Voilà. Le portrait qu'elles vont récupérer ? Oui, je vais l'offrir. D'accord. Alors, merci beaucoup Valérie ou Heather Toussaint, parce que Valérie est connue sous le nom de Heather Toussaint. Merci beaucoup, et surtout, n'oubliez pas de vous inscrire sur le site oslapose.fr et allez-vous faire dépister. Le cancer du sein, c'est vraiment une maladie qui peut se guérir si elle est dépistée à temps. Merci à tous. Au revoir et à bientôt pour un prochain numéro de On vous écoute. Au revoir.